pouvoir vous faire confiance. Mais qu'un traître. Vous n'avez même pas pu défendre la Terre. Comment espérez-vous nous arrêter ?
Vous avez capturé le centre de commandement, mais il ne reste qu'un lanceur opérationnel. Lorsqu'un lanceur nucléaire est prêt, utilisez le bouton signal de commandement pour placer un marqueur. Le missile nucléaire sera alors lancé sur la cible. Terminé. Commandeur de l'ordre est neutralisé. Terminé. Ce sont nos ennemis! Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Transport is full. Transport is full. Transport is full.
n'aviez pas le choix, commandeur. Les actions de Fletcher nous ont forcé la main. Poursuivez l'opération. Terminé. Voici l'arche. Détruisez-la. Fou, il est trop tard. L'arche est terminée. Les Séraphim déferlent déjà sur la galaxie pour la purifier. C'est jamais trop tard. Je m'excuse, j'ai mon micro coupé, je sais pas depuis quand, donc... Les senseurs indiquent une multitude d'unités en approche depuis la faille. C'est maintenant ou jamais. Ça ne change rien. Allez-y, colonel. Faites sauter cette foutue arche. Ouais. Croisez Risa, au rapport. Les Séraphim ont détruit une grande partie de ma base. Je fais de mon mieux pour reconstruire, mais je suis incapable de prendre une possible. Commandeur, vous êtes seul. Détruisez l'arche. QG terminé. Oh génial, la version Steam n'a pas les bugs de traduction. Gars, normalement en fait j'avais en anglais sur version. Quoi? Ah oui. J'avais oublié qu'il pensait ça. Vous avez pas aimé ce qu'on va trouver. Globalement ma flotte peut tenir si j'ai assez de croiseurs, ce qui est plus le cas. Vous n'avez aucune chance contre nous. Les Séraphim sont éternels. Détruisez les humains. Voilà, et là il reste un truc. À vos ordres. Faites taire cet alien, commandeur. Avec un missile nucléaire de préférence. Oh, ça, je vais te faire plaisir. Enfin, ma flotte de guerre a tenu bon. Lancement stratégique détecté. Oh, j'ai pas aimé ça du tout. Donc, je vais à tout près aligner Fletcher avec un missile nucléaire. Parce que si vous regardez ici. Notre lance-missile stratégique. Voilà. Vous n'avez rien accompli. Vous ne nous vaincrez jamais. Oh, le missile nucléaire. Je vous prends d'entrée, Stormer. Voilà. C'est un petit missile nucléaire, comme vous voyez. Lancement stratégique détecté. Il veut vraiment optimiser Risa. De toute façon, le système de contrôle est opérationnel à partir du moment. De ce moment-là, c'est facile. Les Séraphim sont éternels. Vous ne les vaincrez jamais. Mais. Je dis. Mais bon, vous comprenez ce qu'ils ont? Les Séraphim ont comme troisième super arme un lance-missile nucléaire stratégique. Voilà. Voilà. Risa n'a plus rien. Et les robots, ils sont en train de subir. Alors ils arrivent à infini les troupes adverses. Tant que la faille restera ouverte, nous aurons un accès libre à votre galaxie. Donc les Séraphim ne serait pas de cette galaxie. Oh, on a
a trouvée. Le vent tourne, Kael. Bougez-vous. Pitoyable humaine. Croyez-vous vraiment que nous sommes à votre service? Vous n'êtes qu'un instrument entre nos mains. Quand nous en aurons terminé, tous les humains de cette galaxie seront morts. Mais... Vous aviez la vérité sous les yeux, Kael, mais vous avez choisi de les fermer. La vérité sous vos yeux... Voilà. On garde par contre à une tonne de PV. Je commence à perdre des usines. Il faut détruire juste une des deux. Voilà. 500 000 PV. Oh, j'avais oublié qu'ils vont envoyer des bombardiers expérimentales. J'avais oublié ce détail-là. L'arche vacille, elle peut s'effondrer à tout moment. Bon, ça va que j'ai... L'arche vacille, encore 300 000 PV. J'ai totalement oublié le bombardier. Donc, des centres de contrôle au soleil noir vont bientôt se faire atomiser, c'est pas grave. Oh. L'arche a subi de gros dégâts. Elle ne tiendra plus très longtemps. Un alien de moins. QG terminé. Ah oui, je voulais la tenue. J'avais pas aligné le bon en fait avant. Je crois que vous bombardez s'est craché, mais voilà. Leur flotte n'existe plus, donc maintenant, ça va être le plus simple. Voilà, destruction de l'arche, je pense. Vous endommagez l'arche, continuez. Détruisez cette arche, colonel, on y est presque. Ouais, t'es encore. L'arche est détruite. L'arche est détruite. Je serai là d'ici peu, commandeur. Il est temps que tout ça se termine. Je regarde votre visage, et j'y vois du soulagement, de la joie, et un sentiment de triomphe. Il ne fait aucun doute que vous souhaitez célébrer cette victoire. Après tout, l'Ordre et les Séraphimes sont en déroute, et l'IAQ n'existe plus. Mais nous ne devons surtout pas crier victoire trop vite. Nous sommes les vainqueurs du jour. Mais la victoire nous a coûté cher.
Notre situation est précaire. Et le danger est partout autour de nous. La plus grande menace ne vient pas des Séraphim, mais de nous-mêmes. Nous sommes obligés de faire un choix très simple. Pouvons-nous pardonner à nos anciens ennemis et reconnaître tout ce que nous avons en commun avec eux? Ou allons-nous retomber dans nos travers du passé et laisser la haine, la peur et la méfiance nous dicter nos actions? Sommes-nous obligés de répondre à ce qui nous est inconnu par la violence? Pour le bien de tous, ce n'est plus possible. Je ne permettrai pas que ça se passe comme ça. À compter de ce jour, la Fédération Terrienne Unie reconnaît officiellement la souveraineté et l'indépendance des nations Cybran et Aeon. Ces deux nations ont désormais le droit de revendiquer leurs territoires actuels et historiques. Dans un avenir proche, j'espère que nos trois peuples sauront établir une alliance durable. Nous avons toujours rêvé d'unir la galaxie, de rassembler les frères et les sœurs de l'humanité. Finalement, ce rêve devient réalité. Et je prie pour que personne n'oublie ce qui a permis ce moment. Non pas le canon d'une arme, mais un désir commun de paix. Puisse-t-elle durer à tout jamais. Et voilà, c'est ainsi que nous avons terminé le jeu avec la FTU. J'hésite en fait à vous... Ouais, je vais vous laisser quand même le générique, je ferai pareil avec les deux autres. Donc la campagne, la faire une fois est bonne, la faire trois fois, bon, on va pas le dire, c'est dommage. La version Steam a l'avantage de ne pas avoir les problèmes de traduction qu'avec les autres, mais a toujours des problèmes dans les dialogues. Par exemple, Prisa, à la fin du jeu, elle parle en anglais, notamment quand elle dit que sa base est en miettes et qu'elle peut plus nous aider. En gros, quand on débloque l'arche, elle parle en anglais. Par contre, t'as toujours des problèmes de traduction d'unité, ce qui est un peu plus dérangeant, mais bon, vu que les studios n'existent plus, on va pas pouvoir attendre un patch pour ça. Faudrait modifier le fichier du jeu, faudrait modifier en fait quelques lignes, les lignes de traduction, faudrait les modifier. Mais bon, je me suis pas permis de le faire. Et ça pourrait poser un problème pour jouer en multi. Le multi est excellent, on va pas le nier. Les pickness des batailles quand vous êtes en 4v4 est présent. Les batailles sont longues, dures, fastidieuses. Toutes les factions ont utilité, toutes les factions ont leurs défauts. J'irais peut-être le petit bémol, c'est qu'il y a certaines factions qui sont plus fortes que d'autres. On voit la FTU qui est ultra puissante maintenant. Déjà qu'elle dispose d'un tir expérimental sur portée de tir, maintenant elle dispose d'un satellite de défense expérimentale ultra puissant. Vous en faites plusieurs et vous pouvez facilement annihiler n'importe quel assaut terrestre rien qu'avec ça, même pas besoin de compter sur défense. En plus, vous avez des défenses de Tech 3. Mais si on enlève ça, elle a quand même certains défauts que je vous laisserai découvrir. Rétablissement des algorithmes primaires de l'unité centrale. Algorithme primaire de l'unité centrale opérationnelle. Tous les systèmes activés. Diagnostic terminé. Instruction primaire reconnue. Exécution. Surprise! Donc au niveau naval, ils ont une excellente force de frappe, même si... Enfin, ils ont la meilleure force de frappe navale. La faille est scellée et l'ordre est en fuite. Malheureusement, nul signe de la princesse Burke. Nous continuons les recherches. Voilà. Je vais juste me mettre là pour que ce soit un peu plus tranquille. Donc la FTU au niveau naval est ultra puissante, au niveau du transport, tout ce qui est soutien, ils sont ultra puissants, ils ont les transporteurs T3 continental. Au niveau naval, ils ont des générateurs de boucliers, ils ont des navires Neptune en vaisseau de combat principal, donc ils ont vraiment une énorme force à cet endroit. Au niveau terrestre, ils en pâtissent beaucoup plus, ils ont beau avoir du fer de lance, etc. C'est beaucoup du tir indirect, le tir direct c'est un peu moins fort malgré que Perceval qui monte le niveau, le Titan est en dessous. Enfin, n'est pas le meilleur unité Tech 3,
Donc faut énormément compter sur Artir avec eux, énormément compter sur le soutien de manière générale indirecte. Et leur après sur les maps navales, ils ont quand même tout leur avantage. Sur les maps beaucoup terrestres, s'ils arrivent pas à mettre en place leur soutien direct, ben ils sont vraiment en retard et ça risque d'être un problème. Et bon, après, c'est à vous de découvrir les forces et faiblesses de cette faction. Pour moi, vous êtes les principales forces, défense, tir indirect et naval. C'est vraiment une faction de soutien. Après, à vous de voir ce que vous en pensez. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour un autre walkthrough. D'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde. On commence à regarder cette vidéo en ma compagnie.